C'est un livre qui raconte deux séparations, une brutale et l'autre progressive, et les conséquences qu'ils ont eues dans la vie de la personne qui a été quittée. Ce que ça détruit, ce que ça oblige à interroger, ce que ça oblige à reconstruire. Les choses arrivent et inévitablement, il y a des moments de la vie où on est submergé et dépassé par elles. Et à un moment donné, ce qu'on découvre, c'est qu'on a la possibilité, d'une certaine manière, de ne plus être la proie de ce qui se passe, mais d'en être aussi l'acteur. Et on en redevient l'acteur, on redevient l'acteur de sa propre histoire. Il y a tout un tas de manières de le redevenir et écrire, c'est une des manières possibles. Et ça, c'est consolant. Qu'est-ce qu'une séparation et qu'est-ce que ça remue en nous au point vraiment de modifier la personne qu'on est, qui on était avant que ça se passe et qui sommes-nous après que ça s'est passé. Et j'avoue que la force et la violence de l'expérience, toute désagréable est-elle été, m'ont interrogée, m'ont vraiment posé question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que cette alchimie-là met en marche? Qu'est-ce que ça détruit et qu'est-ce que ça libère comme ressort de personnalité qui fait qu'on va devoir rester debout malgré ce qui s'est passé, mais d'une manière différente de ce qu'on était avant. Et je pense que c'est ça, au fond, en écrivant, c'est cette espèce de métamorphose qui m'interrogeait énormément et que j'avais envie de raconter. On a l'obligation de ne pas se laisser aller à des formes de pathos ou de sentimentalisme, même si le texte est sûrement fortement imprégné de sentiments et de dimensions pathétiques, mais en tout cas, on ne peut pas vraiment se laisser aller à l'effusion, parce que la chose, elle est déjà tellement douloureuse en soi que tout l'objectif, c'est de la contenir dans des mots. Or, si les mots échouent à la contenir et si les mots deviennent eux-mêmes le déversoir de tout un tas de sentiments dégoulinants, ça n'est absolument pas possible. Donc oui, on a une exigence d'écriture qui est particulièrement ferme, concise et précise, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi, dans la première histoire, de le raconter par instant. Parce que par instant, par moment, par événement saillant, c'était davantage possible de le circonscrire par des mots que de vouloir raconter une histoire au long cours. Qu'on ne peut rien construire sur une passion, c'est comme une maladie virale, il faut l'éprouver, souffrir, que ça passe et en guérir. Mais il n'y a rien d'autre à en tirer, on ne peut rien construire là-dessus. Et effectivement, il y a quelque chose aussi, et qui là n'est absolument pas de la responsabilité de l'autre, qui est de sa responsabilité à soi, de savoir que quelque chose va nous détruire et de le faire quand même. D'une certaine façon, on fait tous ça, mais à des échelles plus ou moins grandes. Et la passion, c'est une des échelles exacerbées. Il y en a d'autres, hein. Il y a le jeu, il y a les sports extrêmes, enfin bon, on pourrait en trouver un certain nombre. Et ça, oui, ça me pose beaucoup de questions, cette aptitude qu'on a à retomber finalement dans les mêmes ornières. Le meilleur remède, c'est de continuer à vivre, c'est de faire ce qu'on faisait avant, jusqu'à temps que l'envie et l'enthousiasme reviennent. Et ça prend le temps que ça prend, mais il faut continuer résolument à s'inscrire dans les gestes de la vie, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir.